mais je culpabilise de comment j'étais. Et je sais que le chemin, il est encore long, que c'est que le début. Mais les filles, genre, je me sens mieux comme ça. Pleinement consacrée à sa religion, Maëva prend une décision radicale. Maëva Guénam vient d'en étonner plus d'un avec l'annonce qu'elle vient de faire. L'influenceuse, qui se rapproche beaucoup de sa religion ces derniers mois, a en effet pris une grande décision vis-à-vis de ses réseaux sociaux. Bon, les filles, hier, dans la nuit, j'ai supprimé toutes mes photos sur Instagram où j'étais en dessous, où j'étais en maillot de bain. Et en les supprimant, les filles, j'avais honte de moi. Je vous jure, oh là, j'avais trop honte parce que je me dis, en fait, les filles, avant, j'avais aucune pudeur. J'en avais vraiment pas, les filles. Et quand j'étais en train de les supprimer, genre j'avais honte, je me sentais mal, je me disais mais j'étais comme ça. Alors aujourd'hui, je suis pas parfaite, les filles. Je dirais jamais que je serai la meilleure, que je suis la meilleure des musulmanes ou que je suis parfaite. Mais je sais qu'aujourd'hui j'ai plus de pudeur qu'avant. Maintenant, je suis pas au summum de la pudeur, les filles, mais je sais que j'en ai plus qu'avant. Et je sais que il y avait des photos que je me permettais de prendre, de poster avant, alors qu'aujourd'hui je me permettrai plus, j'aurais trop honte de ça. Et j'ai honte un petit peu de comment j'étais avant. Je manquais de pudeur, enfin, je manquais pas, j'en avais pas du tout, les filles. J'avais honte de rien. Vous savez, avant, genre de mettre tout nu dans quelqu'un ou en string, même devant des gens que je connais pas, j'avais pas honte. Genre, j'allais à la plage, je mettais un string, vous voyez. Genre, je pouvais. J'avais vraiment pas de pudeur, genre faire du monokini et tout. Alors que maintenant, j'en ai et j'ai honte de comment j'étais. Maintenant, je demande pardon, mais je culpabilise de comment j'étais. Et je sais que le chemin, il est encore long, que c'est que le début. Mais les filles, genre, je me sens mieux comme ça. J'aurais pu, quand ça disait sur les réseaux, quand Bassem et d'autres personnes disaient sur les réseaux, oui, c'est bien, mais t'as pas supprimé tes photos en maillot de bain et en dessous de Instagram et tout. J'aurais pu le faire à ce moment-là. Mais en fait, je me sentais pas prête, les filles. Et en fait, moi, je veux pas faire quelque chose si ça vient pas de moi, si j'en ai pas envie, moi. Parce que j'ai pas envie de me forcer à faire les choses, vous comprenez? Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Hier soir, les filles, je me suis sentie prête. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Je suis là, je suis en train de montrer mon corps sur Instagram. J'ai aucune pudeur. Les gens, ils regardent les photos et tout. Je vais les supprimer. Hier, j'en ai eu l'envie et je l'ai fait.